Salut, salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Donc voilà, juste une petite vidéo make-up vite fait. Je vais essayer de faire vite. Pas trop longue. En plus, j'ai oublié quelque chose déjà, ça commence. Bon, bref. Donc, j'ai envie de réessayer un look. Même si du coup. Bon, oui, pardon. J'ai envie de réessayer un look de Boti Palmira. Voilà, je vous avais dit. Il y a une youtubeuse beauté qui s'appelle Boti Palmira. Malheureusement, elle fait pas beaucoup de tutoriels sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, elle est très forte en maquillage, vraiment. Mais elle est plus active sur Facebook que sur YouTube. Et j'aime beaucoup ses maquillages et tout. Même si je suis une amatrice, je ne suis pas une pro, je ne suis pas une make-up geek ou quoi, mais j'aime bien de temps en temps essayer. Petit à petit, ça peut m'apprendre des nouveaux trucs. J'arrive. Il y a quelque chose. Excuse. C'est bon, je suis là. Désolée. Bon, bref. Allez, en même temps, je vais essayer de parler, hein, pour pas que ça soit trop. Ennuyant, parce que bon, c'est vrai que la dernière fois j'ai fait une vidéo de 20 minutes dans laquelle j'ai même presque pas parlé. Désolée. Donc, comme d'habitude. Donc, c'est un maquillage un peu argenté. Oui, un peu argenté. Bon. Je sais pas comment je vais le renommer, je vais voir. Mais ce que je sais, c'est que c'est un peu argenté, clair, comme ça. Gris, clair, argenté. Bon. Je commence par le concealer comme d'habitude. Donc forcément, je vais prendre mon miroir parce que c'est le mettre de face aussi. En plus, j'en ai presque plus, je vais devoir m'en racheter. Bon, au début, je voulais pas. Vous savez que j'avais posté, au début de la semaine, j'avais posté une vidéo sur l'affaire Théo. J'avais marqué Théo, affaire de viol. Bon. Ah, je l'ai vite enlevé parce que je me suis fait insulter cash. Mais vraiment, je me suis fait critiquer cash. Ok. Non, mais vraiment, j'accepte. Hein. J'accepte les critiques, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, justement, je voulais pas en parler, mais là, je pense que, voilà, il faudrait que j'en parle quand même parce que je peux pas faire comme si ça m'a pas affecté. Oui, je vais en parler quand même. Donc, d'abord, je tiens à m'excuser par rapport à ce que j'ai dit. Parce que c'est vrai que c'était vraiment osé de dire ça. J'avais à peine regardé quelques vidéos vite fait sur Internet. Je connaissais pas vraiment. Mais vraiment, je connaissais pas vraiment les circonstances et tout. Je connaissais pas vraiment beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai que des fois, voilà, je suis un peu trop curieuse, un peu trop songue. Et je réfléchis pas forcément toujours. Bon, voilà. Et là, je sais pas, voilà. Après, il y en a qui m'ont dit, vont vu, tout ça, tout ça. Bon, bref, hein. À force, je commence à avoir l'habitude. Et j'ai vu que Théo s'est rétabli. Il est sorti de l'hôpital et tout. Non, franchement, c'est bien. Mais vraiment, c'est vrai que c'est bien. Heureusement, Dieu merci, il n'est pas mort. Voilà. Mais bon. Attends, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il faut pas que je me trompe. Mais ce qui m'a choqué quand même, c'est les conséquences, en fait. Voilà. Moi, c'est ça. Et c'est ce que j'avais dit aussi. J'avais dit que bon, j'ai pitié de lui et tout, c'est triste. Et ça montre à quel point, malgré tous les efforts qu'on fait, tout pour s'intégrer. Enfin, bon, je vais pas dire ça, mais bon.
Il faut admettre que ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de plus en plus de gens qui deviennent racistes, je vous avais dit. Voilà. Mais vraiment, ça, c'est une réalité. Et ça fait mal, c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Je sais que bon, il y a des gens qui ne sont pas comme ça, voilà. Mais il y a une bonne partie qui commence à devenir de plus en plus raciste. Il y a des gens qui en ont marre un peu. Ce qui fait que dès qu'ils voient des gens issus de l'immigration, tout ça, qui font des problèmes, qui y a des histoires, tout ça, ça les énerve un peu. Les gens ils commencent à devenir impatients. Non, franchement, je pense qu'on a tous remarqué ça. Et voilà. Moi, j'avais dit que ça allait rendre les gens encore plus racistes. Que, bon, voilà, d'accord, c'est triste pour lui et tout. Mais le problème, c'est que. Et c'est vrai que la télé aussi, ils ont tendance à exagérer, quoi. Ils aiment bien envenimer les choses et tout. Bon. Tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, je continue ce que je faisais. Donc voilà, je tiens à m'excuser quand même. Je suis pas. Son cœur, voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée. Ça m'a tellement touchée que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça, sur Internet, hein, parce que bon, voilà. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Hein. Mais oui, les conséquences, franchement, toutes les émeutes et tout, qu'il y a eu ça, par contre, moi, je peux pas. Je peux pas être d'accord avec ça, franchement. Mais vraiment, je comprends que les gens se battent et tout, qu'ils manifestent et tout, mais de là à aller casser des choses et tout, ça arrange rien, ça décrédibilise même la situation, je trouve. Mais vraiment. Après, c'est vrai que moi, je n'ai pas vraiment grandi en banlieue, voilà. Non, franchement, je vais être honnête, c'est vrai que je suis pas vraiment grandi en banlieue. Pour ceux qui connaissent Toulouse, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Toulouse, mais moi j'ai grandi à Bassocambo. Voilà. J'ai grandi au Mirail Bassocambo. Et bon, le Mirail Bassocambo, quand même, c'est. Bon, maintenant, ça s'est dégradé, maintenant. Et c'est pour ça que ma mère, elle a voulu partir quand elle a vu que les gens commençaient à brûler des voitures, elle a voulu partir. C'était vraiment un quartier calme qui était juste à côté de la Rennerie. Et c'est vrai que la Rennerie et Bellefontaine, par contre, ça, c'est des quartiers vraiment chauds. Quartiers vraiment chauds. Et bon, voilà, quoi. On habitait juste à côté, mais dès que ça a commencé à se dégrader vers Bassocambo, nous, notre mère, elle a voulu partir. Mais même quand on était petite aussi, c'est vrai qu'à Bassocambo, ce qui était bien, c'est qu'il y avait toutes sortes de personnes, tout le monde était mélangé et tout. Et on s'entendait bien, c'était vraiment le vivre ensemble. Voilà. C'était vraiment le vivre ensemble. Malgré les différences, tout ça, il n'y avait pas de problème. Je crois que ça, je vais pas mettre ça. Il n'y avait pas de problème, franchement. Tout le monde était. C'est maintenant, là, je vous dis, nous, notre génération, franchement, elle est vraiment. C'est vraiment triste. Hein. Avant, c'était pas comme ça. C'était moins pire. Là, vraiment, ça va. Ça va loin. Donc, bon, j'espère que ça va s'arranger, mais. Oui. Et donc moi c'est vrai que je. Désolée. Par hasard, pardon, c'est quand je commence à faire des choses. Voilà. J'utilise une palette nude comme ça que je suis motivée. Voilà. Oui, c'est maintenant qu'il commence à y avoir des. Vraiment beaucoup de problèmes. On sait pourquoi. Avec les élections, tout ça. Voilà. Et bon. Non, mais franchement, c'est triste. Hein. Ouais. Avant, c'était pas comme ça. J'ai pitié. Non, mais franchement, j'ai pitié pour les générations à venir parce que. Je sais pas. Mais bon, comme c'est un sujet sensible, je vais en reparler dans une autre vidéo. Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi.
Bon, je vais parler d'autres choses, d'autres sujets d'actualité. Essayer de passer le temps. Je sais pas trop comment ça donne, mais en gros, il y avait ça dans le coin. Non, je vais mettre un peu de nude. Je vais mettre une couleur nude au-dessus. Je crois que c'est mieux. Ça va bien être un peu. Voilà. Voilà, je commençais par ça. Et là, maintenant, je vais attaquer les yeux. Bon, j'ai entendu aussi que. Bon, je vais parler un peu de tout, n'importe quoi. J'ai entendu aussi que Beyoncé était enceinte. Beyoncé serait enceinte des jumeaux. Ah, bon, ça nous a sur... moi, ça m'a surprise, mais. Bon, il y en a qui vont dire que je suis une rageuse, mais j'avoue que moi, franchement, tant que je verrai pas le bébé. Enfin, non, pas le bébé. Tant que je verrai pas vraiment son ventre. J'aurais toujours des doutes, je sais pas pourquoi. Bon, après, j'ai rien contre elle, hein. J'ai été une grande fan d'elle pendant très longtemps et tout. J'ai rien contre elle, c'est une bonne. Elle fait partie des meilleures actrices, voilà, y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, tant que. Non, franchement, tant que je la verrai pas avec le ventre comme ça, c'est dur d'y croire parce que. C'est vrai que quand même, Beyoncé, c'est une bonne. C'est quelqu'un qui est très stratégique, quoi. Mais vraiment, comme par hasard, juste après avoir annoncé qu'elle aurait des jumeaux, juste après ça, elle sort des chansons, enfin, elle va sortir un album, quoi. Bon, après, tant mieux pour elle, hein, mais c'est bizarre, c'est louche. Je vais utiliser du gris. Il y a plusieurs gris en plus. Voilà. Ça va être dur de choisir. Je vais utiliser ce gris. Voilà. Non, franchement, moi, tant que je verrai pas son ventre, pourtant, je l'aime bien à la base. Hein. Elle faisait partie de mes stars préférées, mais voilà quoi. Sais pas, Beyoncé, vraiment, maintenant, c'est plus comme avant. Je crois que j'ai utilisé ça pour faire de transition. Envie que ça déborde trop non plus. J'en ai plus. Maintenant, je vais commencer à mettre les couleurs grises un peu. Bon. Je vais mettre un gris un peu plus clair, genre argenté, vite fait, comme ça. Enfin, je vais utiliser beaucoup d'argentés différents. Voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est le bordel, hein, franchement. Non, franchement, c'est oulala. Tout ce que je vois sur Internet, c'est parce que moi, je vois souvent sur Internet. Maintenant, je vais passer à ces couleurs. Pour l'instant, je suis un peu loin de ce que je dois faire, donc. Allez. Bon, maintenant, j'utilise celle-là. Je sais même pas si ça va se voir.
bien par-dessus. Galère totale. En plus, je sais même pas s'il y a beaucoup de lumière. Et en plus, je suis trop contente parce que. En fait, je viens de. Pardon, ouf, mon Dieu, là, ça fait trop. Je viens de trouver encore un autre job qui va me permettre de gagner un peu plus d'argent. Avant. Et je vais essayer de faire un challenge. Je sais pas si je vais y arriver parce qu'avec tous les voyages et tout que j'ai, ça va être chaud, mais je vais essayer de d'économiser. Et j'aimerais bien l'année prochaine arriver à. Ça va être trop dur, mais oui, j'aimerais bien arriver à 10 000 euros d'économie. Franchement, j'aimerais bien. Je vais essayer. Ça va être un peu dur, mais vraiment. Au début, je vais aller à 5 000. Et si j'arrive à 5 000, je vais essayer d'aller jusqu'à 10 000 euros d'économie. Il faut. Je me suis toujours dit qu'avant l'âge de 25 ans, j'aimerais bien avoir quelque chose, quoi. En plus, comme j'ai envie de voyager et tout, voilà. Je vais faire des choses qui sont très jolies comme ça. En plus, j'ai mis vraiment une tonne de clés. Bon, maintenant, je vais utiliser. Donc. J'utilise ça. Je vous avais dit, j'aime bien. J'aime beaucoup ça, voilà. Je crois que ça s'appelle Everlasting Navy. Everlasting Navy. Ça fait vraiment un joli turquoise pailleté comme ça. J'aime bien. J'ai pas envie de trop montrer parce que j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Hein. C'est le maître qu'on nous dit ici. Bon, on va pas trop la différence parce que. Ah, j'ai tellement de grilles là sur les yeux. Ça glisse. Ouais, pas mal. Non, non, juste une idée. Ouh, pour l'instant, c'est pas trop chaud. J'ai un écran bleu ici. Si, mais tu peux lâcher un écran bleu ici. Oh, mon Dieu. Ouais, non, je suis pas française, mais là, je vais mettre un peu de ça, un doré gold. Je vais mettre vraiment comme il Oh my god. Pas grave. Je vais juste commencer. Ça ressemble pas trop à ce que je voulais faire, mais. Pas grave. Non, je vais juste Oh catastrophe, non, c'est pas grave. Je crois que je vais arrêter là, je suis fatiguée. En plus, j'ai fait un peu grand, c'est pas grave. Je crois. Les crayons. En plus, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, hein. Je pense qu'on a un petit avant-goût de l'été, en fait. Est-ce que je pense que c'est bon? Enfin, en fait, enfin, je trouve que toute cette semaine, il a fait beau. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais. J'ai l'impression que le bleu et le. Et mes yeux, ça fait deux, je sais pas trop ça. Bon, bref. Tu m'as dit pas mal. 5 ans. Et là, non, non, non.
Mais pareil, je vais essayer de pas mettre trop non plus parce que quand j'en ai trop, les gens vont la prendre. Je vais pas mettre trop. Voilà, parce que je peux ici, j'en ai trop. Sur les nuits, ça me dérange pas dans le trou. Parce que du coup, là. Voilà. Pardon. Voilà, je vais vous en mettre ici. Comment j'ai je vais vous en mettre ici. 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 Je vais vous en m